On va faut se passer le truc, la vie de ma mère. Nul. Oula, c'est incroyable ça. On est nul. 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 C'est incroyable d'être nul comme ça. Plus de beaux regards. Ça sera rue de la bière. Moi j'ai décidé comme ça. Hop, voilà. Rue de la bière, c'est mieux. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça fait combien là? T'as rien? T'as combien? 24. Oh le papier! Je vais le tuer. Il a cassé la feuille. C'est pas... c'est pas visé. Bah allez, 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 allez. Non, bouche est populaire. Mets-la pas dans la tête de papa. Oh, t'as mis le cap. Excusez-moi, vous auriez pas une jarrette ici, quoi? T'aurais pas une jarrette ici? Mon sac, pourquoi vous avez fait ça? Je faisais un dab. Comment? Je faisais un dab. Un dab? Un dab. Un dab, c'est ça, un dab? Un dab. Mais c'est une connerie, oui. Eh oui, bah oui, bah continuez, oui. Et mon sac, elle a vendu ça. Hein? Elle a fait un dab aussi. Attends, c'est un baiser. Et il a les crocs. Oui, oui. Waouh, le bouc, c'est un. Wesh, wesh. Bon voilà, écoute, reviens nous présenter avec nous quand le temps te le permettra, ok? Alors maintenant tu as l'occasion de dire bonjour à qui te plaît. Merci, bonjour et... à très bientôt. Merci, au revoir. Je suis pas du coin, je suis un... Et alors c'est une raison de doubler en zone 30? Mais j'ai pas fait gaffe, en plus qu'il y avait c'est écrit en gros par terre, zone 30. Ok. 5 motards sont morts cette semaine à cause de ça. Là t'es filmé mon gars. Et ça, je n'en ai au commissariat. Et j'assumerai mes actes pour le rétroviseur. Parce que là, ce que t'as fait, que de poisson. T'es allé en sens interdit. T'étais en excès de vitesse. Et t'as failli m'écraser. Là, mes couilles, elles sont là, mon gars. Je suis prêt à sortir ma clé 17 et te tuer sur place. Mes French. You parlez un petit peu français. Un magasin de cigarettes électroniques. Ce qui s'est passé samedi à 15h, c'est que des hommes sont arrivés, ça commence pas très bien, des hommes arrivent dans son magasin armés pour le braquer. Et là, Didier a une stratégie un peu inespérée. Écoutez ce qu'il leur dit. Didier garde son calme. Je leur dis clairement, c'est pas à 15h qu'on braque. C'est comme quand vous allez chez un libreur à 5h au matin, vous allez prendre la monnaie. C'est à 18h30 qu'il faut me braquer.
Là, tu vas me prendre 1000 balles, tu viens en sort, tu vas peut-être prendre plus. Eh ben voilà, revenez à 18h30, leur dit le commerçant. Et vous voyez là les images, vous avez les images de la discussion, revenez à 18h30. Eh ben écoutez, il est tombé sur la crème des braqueurs, puisque les braqueurs se sont dit, bah écoutez, okay, je c'est vrai que c'est pas bête en fait. Et ils partent, c'est véridique, ils sont repartis. Du coup, bah, Didier a profité de ce départ pour appeler la police. La police me dit, monsieur, ils vont jamais revenir, c'est pas possible. Et je leur réponds, je pense que oui. Je pense que oui. Ils me disent, sous quel prétexte vous pensez que oui ? Je suis bon vendeur, mais je pense que je suis pas sur des lumières. 17h30, qui revient dans le magasin ? Nos braqueurs. Sauf on avait dit 18h. Sauf que voilà, ils ont une demi-heure d'avance, la police n'est pas encore là. Alors que fait Didier ? Bah écoutez. Je sors du bureau et je l'engueule en lui disant faut t'acheter une montre, 18h30, c'est pas 17h30, dégage. Et ils repartent. Et ils reviennent donc une troisième fois, une heure plus tard, à 18h30, espérant braquer le commerce. Les policiers sont planqués dans l'arrière-boutique. Voilà, planqués et armés, tout le monde est arrêté. Faut que tu te la racontes, hein. Je t'assure, regarde, pose la boule, je vais te montrer. Viens. Vous avez quoi après sur les iPhone 5 et iPhone 6 ? Bah, je vous... si vous prenez le téléphone, je vais vous donner le chargeur. Excusez-moi. Monsieur ? Ouais. Non, je suis dabophobe en fait, je fais des dabs. Vous êtes dabophobe, mais... Non mais monsieur, s'il vous plaît. Découpez le papier. Hein ? 20 et 20, 40, montez 40. Devant. Et 20, 60. Ok. Et 20, 80. Ok. Et 20, 100. Ça fait 100 pour lui, là. Oui, 100. Et là, c'est simplement une petite passe magique ici. Et là, boum, l'argent arrive. Ah, les chansons. Ouh, ça fait du bien, hein. Et je pas, hein. Oui, putain, c'est le scam. Transforme l'argent en papier. Mais faut pas rire parce que ce n'était qu'une illusion. Ce n'était simplement que du papier. Il n'y a rien à voir. Attends. Ah ouais. De quoi? Du crayon. Connais maman. Maman non, c'est pas... ouais, tu connais pas? Oui, je connais, on connaît. Tu connais en arabe comment on dit la dîne moque? Ouais. Bah c'est pareil, connais maman. Ferme les gueules là-haut. Tu connais pas? C'est ça. Moukane la dîne moque a dit aïen. D'accord? Check. Mais pas de la main gauche, toi, que tu fais de la main droite, le connard. Ah! Allez, vas-y, toi. Pourquoi vous êtes dans cette filière? C'est pour vous tenir de cette passion? Tu vois, je viens de me fumer un joint, je suis un peu foncée, je comprends rien à ce que tu me dis. C'est comme ça qu'on pourra prendre dans cette... Je suis pas venue ici pour parler chinois. C'est sûr, vous parlez français et je vous le vois. Ça se plaît pour moi. Da, si începe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bun. A ieșit ceva pe aici. A ieșit soarele. Quelle ville d'environ 1 800 000 habitants est la capitale du Kenya? Le Kenya, oui! Nairobi! Ah oui! Et une bombe, elle a explosé. Wow, on dirait du Stade de France. Oh là 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 là! Deuxième explosion au Stade de France! Deuxième explosion! Courez! Barrez-vous! Il y a des attentats! Barrez-vous! Charles Osbar! Ouais, j'ai appris que c'était chez moi. C'est-à-dire? Bah, j'ai appris que c'était chez moi et que les individus se retranchaient chez moi et que. Voilà. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. Et expliquez-moi, vous habitez où? J'habite rue du Corbillon, là où ça a tiré. Et comment vous expliquez que ces personnes-là se retrouvent chez vous? Bah, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Il est motivé, Bastien. Bastien et les autres, Monique, Patricia, Anne-Barry. Monique, il vous fait peur peut-être à côté, non? Nous avons cette question lors d'une enquête. Quel mot désigne les signes tangibles qui permettent à la police, Bastien? Les indices. Oui, les indices.